Allez, petite vidéo pour mes amis qui aiment bien les poussins de couleur. Regardez les couleurs de Thaïlande. Il y en a de partout des couleurs. De la couleur, de la couleur, de la couleur. Il n'y a que de la couleur. Voilà. Ouais. C'est voilà. La Thaïlande, c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas s'exciter sur la couleur. Voilà. Tout est fait maison. Je vais vous montrer encore. Ah oui. Encore. Je vais vous montrer encore de la couleur. Oh, c'est pas là, vous n'êtes pas habitué à voir cette couleur là sur un éléphant, mais c'est tellement c'est pour faire venir les gens. Voilà, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi ça? C'est un kiki d'or. Voilà, c'est un kiki d'or. Il dort pas celui-là. Allez, c'est pour rigoler. Je vais vous montrer un petit peu où on est sur une autre vidéo. Là, c'était juste pour vous embêter, pour ceux qui ont dit que c'était pas beau de voir les poulets, les poussins de couleur. Oui, vous inquiétez. Il faut préciser que c'est de la... Ah, c'est quoi? Les poussins de couleur, c'est de la... un colorant alimentaire. Exactement, voilà. Donc tu as bien compris que c'était pour attitiller les gens que j'ai mis ça. Parce que chaque fois que je mets des photos comme ça, j'ai beaucoup d'amis. Voilà, mais je vous aime tous et toutes. Donc oui, les poussins, vous inquiétez pas, c'est du colorant alimentaire. Ça dure quoi? Allez, grosso modo, 4 jours, 5 jours. Si on les met dans l'eau, ça part. C'est juste pour attirer l'œil de ces enfants-là qui vont acheter ces poussins pour les élever. Voilà. Parce qu'ils trouvent que pour la vente, bien entendu, et n'oubliez pas que la vente, ça fait vivre des familles, ça fait vivre des gens. Et c'est pour ça qu'ils font ça. Et comme vous avez pu le voir, s'il n'y aurait que des poussins de la même couleur, ça serait pas, vous n'aurez pas attiré l'œil. Car là, vous voyez des poussins. C'est vrai que ce n'est pas naturel, mais ne vous inquiétez pas, on ne tue pas les animaux ici. Surtout, on ne s'amuse pas avec les animaux. Le peuple bouddhiste, surtout des villages, croyez-moi, ils prennent soin des animaux, même s'ils les mangent, bien sûr, ou les élèves pour les œufs, on prend soin des animaux. Donc, je le redis, je vous laissais un peu mijoter, je rigolais un peu de ce que vous mettez, mais bon, c'est pas grave, vous savez pas en fait comment ça se passe ici. Mais surtout, vous inquiétez pas, 3 jours après, 4 jours après, les plumes tombent, et si vous voulez enlever la couleur, vous inquiétez pas, un coup d'eau et c'est fini. Par contre, pour ceux qui veulent enlever la couleur du kiki de l'éléphant, il faut venir après essayer de voir comment vous voulez enlever la couleur de l'éléphant. Voilà. Allez, je vous montre un peu cet éléphant parce qu'il est vraiment, vraiment beau. Je vous fais de gros bisous. Voilà.